Là, cher, pardon, faut doser tes commentaires là, s'il te plaît. OK? Dosez un peu dans les commentaires. Tu vois, Bouja est sortie de ce commentaire. Elle est porte-parole de JM. Non, non, non. Est-ce qu'elle est porte-parole de JM? Si lui-même là, il ne dit pas que je lui ai fait quelque chose de là. C'est toi, tu avais me dit que je lui ai fait quelque chose. Comment on appelle ça? Non, non, non. Si elle est porte-parole de JM là, je vais les mélanger les deux en même temps. Attends, parce que juste après du côté là, si c'est ce qu'elle est en train d'écrire dans les commentaires, si c'est ce que JM lui a dit là, je peux donner leur réponse. Attendez, je vais vous montrer ma cambrure. Parce que jusqu'à présent là, je n'ai pas encore insulté quelqu'un. Pardon, si elle est venue faire commission de JM, je vais lui donner. Et puis je dis, il a intérêt à ne pas m'avoir, à ne pas me compléter sur Fatou. Ça cause ça, même quand Fatou ouvre son là, il ne monte pas. Parce que je ne veux pas l'insulter. La bourgeoise, je suis en train de manger un peu. Moi, elle est venue faire commence, elle est venue faire commission là. Je vais leur donner leur commission les deux. C'est pas JM qui a parlé là. Faut te calmer là. Non, parce qu'elle insiste dans les commentaires. Depuis, elle insiste. Les gens lui parlent, elle insiste. Vous dites que vous êtes hypocrite. Vous ne dites pas la vérité. C'est parce qu'elle insultait JM. Bon, j'ai insulté JM. Bon, vraiment. Quand je parlais des narines de JM là, il m'a dit qu'il n'aime pas. C'est moi j'ai relevé ses narines là sur TikTok. Il m'a dit qu'il n'aime pas. Mais si tu n'aimes pas quelque chose, tu dis à la personne que ah, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, je n'aime pas. C'est tout. Vous mais tu ne me dis rien. Si tu es venu faire commission de JM là, je vais vous donner vos commissions. Là, je n'ai rien fait encore. C'est bon. Je vais lui donner une raison de me détester même. Pardon. On va faire ça là. On va se calmer. S'il vous plaît, pardonnez. Il faut apaiser les choses, tu comprends? Il n'y a pas besoin de faire de commission ici. Laisse ça. L'archet, c'est sa façon à elle de faire ses trucs. Elle est juste en train de te taquiner. Ne prends pas ce truc. Elle me taquine pas. Elle me taquine pour moi. Elle me taquine pour moi. Il y a Fabira qui veut se montrer. Il y a Fabira qui veut se montrer. Non, mais non, je rentre en réunion. J'ai fini. Désolée. Ça sera pour une prochaine fois. Merci. On peut le dire pour que tout soit calme. Voilà. Tu comprends? Le guingué, là, c'est de tout. En fait, c'est ça. Moi, pour vous calmer, mon petit Boubaraba. Attendez, arrêtez la dernière fois. Attendez, non, non, calmez-vous. Elle était 28-47 là. C'est quoi ton problème avec moi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Voici quelque chose que bizarrement, excusez-moi, mais c'est quelque chose que quand on est entre nous, les gens qui sont sur le panel, c'est quelque chose que je. Je ne prends pas trop attention à ça. C'est les gens qui sont avec nous. Parce que nous, on s'exprime. C'est-à-dire que nous, on parle, on communique. Les gens s'expriment. Eux sont en commentaire. Nous, on parle. Mais c'est-à-dire que quand tu regardes, c'est qui est devant qui? On s'exprime. Donc, normalement, même, on ne doit même pas même calculer cela. Mais s'il vous plaît, parce que les commentaires aussi font les lives. Donc, dans les commentaires, là, dosez, s'il vous plaît. Qui est baissé, comment on appelle ça? Vous exprimez, on va voir. Venez vous exprimer. Montez sur les panneaux, vous allez parler aussi. Hein? Quand nous, on s'exprime là, suivez. C'est pas ça. En fait, s'il y a une chose à laquelle moi j'accorde l'importance, c'est pour moi. Faux profil. Les faux profils là. Je ne leur accorde. Dites là-bas, c'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Un petit bout de temps même, je ne leur donne pas. Parce que c'est des personnes qui ne s'assument pas, déjà, comment dirais-je, le premier point, c'est des personnes qui ne s'assument pas. Vous venez en vos profils et vous venez insulter dans les commentaires. Donc, c'est quoi la crédibilité, en fait, de ce que vous êtes en train de dire? Non, la bourgeoise, il ne faut même pas te tracasser pour ça. Et puis, bon, lâcher, c'est une mauvaise personne. Je vous ai piqué, elle a loupé. C'est quoi? D'autres parmi vous, la même voix, c'est-à-dire que non, tu ne peux pas. Vous êtes en tas sur les gens comme ça. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Lâchez, pardon. Ma chérie, il faut doser un peu. Il faut doser. Et moi, c'est ma première fois de voir la bourgeoisie s'exprimer comme ça. Vous voyez à quel point l'homme peut s'énerver pour sortir de lui-même. Hein? S'il vous plaît, doser. Les gens, les commentaires, doser. Moi, personnellement, vous me connaissez. Vous ne m'avez jamais vu m'attarder sur les commentaires. Mais pour moi, c'est ça qui fait le tout. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas. Quand ça déborde, d'autres n'aiment pas. Donc, c'est le ressenti de tout un chacun. Hein? Donc, s'il vous plaît, doser un peu. La chair, tu fais fort. Parce que souvent, à chaque fois que je ne suis pas même sur des panels, j'entends là-bas, attends, je vais bloquer la chair. Là. La chair, la chair. Toujours la chair. Ça, là, tu fais fort et la chair. Mais oui, moi-même, j'ai intervenu pour elle-même chez Waka. Doser un peu. Dosons entre nous, c'est important. La chair, tu as compris? Moi-même, j'étais surpris. Mais quand je regarde, des fois, j'aime, ça m'a étonné. Voilà. Donc, dosons, s'il vous plaît. On a besoin de paix. On a besoin de paix. La chair ne défend pas JM. C'était un malentendu. Elle ne défend pas JM, non. Elle ne défend pas JM. En fait, elle a juste voulu faire comprendre à la bourgeoise que c'est le fait d'avoir insisté sur son nez, là.
C'est ce qui a fait fâcher JM. Sinon, c'est pas... Ah, c'est bon, pas non, 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 non. Fouki, beaucoup ont dit ça dans les commentaires. J'ai répondu. J'ai répondu à certains dans les commentaires. Elle a multiplié son même commentaire-là. Même lui qui a tiré son attention dessus. D'autres ont attiré son attention. Elle dit, mais laissez-moi, je vais parler. C'est parce que vous ne lui dites pas la vérité, c'est à cause. Elle a un problème avec moi. Attends la bourgeoise. Attends, moi, je vous dis, moi, là. Elle a un problème avec moi. Attends la bourgeoise. Pardon, il a parlé. Moi, je suis là. Comme le dit, c'est tellement vrai qu'elle n'aime pas les faux culs. Ce qui a attiré mon attention, c'est Yasmine. Et qu'elle a mis le commentaire que oui, je ne suis pas la vérité, elle a dit vraiment. Je regarde le commentaire de la fille qui va dire ce qu'elle a dit. Au bout d'un moment, on n'a qu'à arrêter. Si tu es pas là, tu montres à la bourgeoisie, tu as oublié que c'est vrai que tu l'as insulté, que t'as, c'est ce qui a fait qu'il a gagné rancune contre toi. Mais quand tu es dans les commentaires, que tu dis que. Dans les commentaires. Elle ne dit pas la vérité. Et quelqu'un, c'est pas là, elle nous répond vraiment, là, ça veut dire quoi. Mais quand elle a parlé là, moi j'ai dit. Oh, la bourgeoisie, tu as oublié. C'est pas qu'il a traité de toi, tant qu'il est fâché. Moi, je suis à quoi ça? Mais quand tu dis que, dites-vous la vérité entre vous. C'est un peu frustrant. C'est comme si c'était des faux. Moi, je fais une lâche. Si une fait une bêtise, moi, je dis que tu fais une bêtise. Et puis quoi? Même dans la vraie vie, pas reculé devant quelqu'un. Il n'y a pas de caméra qui est reculé devant quelqu'un. Mais quand tu as un commentaire, que tu dis que. Tes commentaires sont encore là. Tu vois un peu. Tu n'as pas insulté, je sais. Mais le fait même que tu dis que nous, on n'est pas dans les hypocrites ou bien on ne veut pas se dire la vérité entre nous, ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. C'est tout le problème. Donc, si tu veux faire un lavement de mémoire à, comment ça s'appelle, à la bourgeoisie, oui, on oui, te dit un truc, sur le panel là, sur le panel là, personne n'est obligé d'aller dans ton sens. D'accord. Je ne suis pas obligé d'aller dans le sens de tout le monde. Mais attendez, il y a quoi? Je ne suis pas obligé d'aller dans le sens de tout le monde. Quand tu fais des paroles, je ne peux pas m'indexer dedans. Il y a quoi encore? Si elle continue de me manquer de respect, si je suis allé séparer. Attends, Livy, on va régler ça. Non. Parce qu'elle est sortie de ma maison. Non, Livy, calme-toi. Je descends d'abord. Livy, calme-toi. Écoute-moi, lâche. Je n'ai rien contre toi. Je voulais juste que tu montes, venir me dire ce que tu voulais lui dire. Mais en mettant que nous l'encourage, et d'autres disent vraiment, tu allais me parler. Moi, toi, tu ne me connais pas. Elle est son plein d'ailleurs, elle ne plus qu'à de ses mondes. Je ne suis pas de sa condamnée. Elle m'a suivi. C'est tout le live, mais toi, on a poursuivi à cause de toi. Et puis, Yasko, il y en a pour rigoler, on a laissé le game, on s'amuse. Là, on vient parler. Tu as vu ça, camarade? Faut pas t'énerver, il t'a dit ça en même temps. Ça va. Livy, c'est bon. Quand Yasmine veut parler, Livy, la coupe. Donc, elle n'aime pas ça. Et puis, elle a pris ça sérieusement. Moi, je dis que non. Non, mais il faut dire que franchement, ce n'est pas facile aussi avec nous, les femmes. Yasmine, ma petite Yasmine. Tu es là, Livy, il faut monter. Tout à l'heure, là, tu m'as donné la parole, je voulais parler à la grande sœur Sylvie. Elle a coupé la parole de ma bouche. Je n'ai rien dit. Moi, je sais ce que ma mère, elle est en train de me dire en inbox, ça m'énerve. Donc, je voulais parler à Sylvie pour lui demander pardon et tout. Elle m'a coupé la parole. J'ai dit, ok, donc, comme tu veux parler, il faut parler. Moi, j'ai envoyé les messages, j'ai fait les commentaires pour demander pardon et tout. Maintenant, la dame tout à l'heure, elle a mis un commentaire. Et moi, j'ai mis vraiment. Après, j'ai dit à la dame, moi, tu vas expliquer. Et toi, tu viens expliquer ici, tu me mentionnes dedans. Tu me mentionnes dedans pourquoi? Attends, Yasmine, aussi. Excuse-moi, est-ce que je peux placer mon bébé? Je suis montée à côté de mon bébé. Tu sais, infatigable, c'est, je sais. Comme je le dis sur TikTok, là, on ne peut pas mettre les organes. Mais derrière le profil, même un enfant de 10 ans peut te manquer de respect. Donc, moi, il ne met pas l'organe. Il y a longtemps, Yasmine me fascine. Partout, elle me trouve. Et un jour, je fais ça, la mutine. Après, je lui ai dit, mais Livy, mais t'as fait quoi? Elle dit, non, elle fait des safarets là. Parce que, attends, je ne me rappelais même pas de cette histoire. Hier, on était rigolés, quoi. Elle revient dans une autre version. Que non, c'est parce que, un jour, elle a montré, c'est fini. Tout à l'heure, la fille est en train de nous traiter de faux culpés, nous parler de la vérité à quelqu'un. C'est un peu trop grave de nous traiter des lâches. C'est comme si nous, on est entre nous. On ne peut pas se parler, on a peur. Je lui ai dit, non. Donc là, maintenant, je vous dis, elle dit, je vois qu'elle a mis vraiment sur commentaire. Donc je descends pour voir ce que la personne avait dit. Je vois que la personne a s'adressé à la bourgeoise. Mais quand tu dis vraiment, c'est quelqu'un qui t'a dit même avis. Donc toi, tu es en haut, nous, il faut te démettre, dire à la grande bourgeoise. Vous voyez ça? Et puis c'est tout. Tu passes dans le livre, tu ne peux jamais me manquer de respect. Il ne va plus permettre ça. Il est monté, ça peut être fatigable. Si il ne fasse pas celle que je me manque de respect sur son panel, le jour où tu as dit le panel est fatigable, je mets mon corps en bas pour éviter qu'on me manque de respect. C'est tout. Si il n'a pas dit que je suis terrible, donc tu as dit vraiment, quand tu es sur le panel, tu vas lui dire en même temps, que tu as même dit que celle qui est en bas, il a dit quoi de mal? Pourquoi tu rebondisses comme si tu veux m'insulter, comme si tu veux me manquer de respect? Pourquoi? Ok, Livy,
tu plaisantes beaucoup. Et puis, en tout cas, tu plaisantes, mais la personne qui ne te connaît pas là-bas, on sait que peut-être que tu fuses ou que tu refuses telle personne. La fille dit qu'elle n'aime pas. D'accord, ça roule. Maintenant, Yasmine, si peut-être que Liv n'a pas saisi ce que tu as dit là, tu viens calmement. Et puis tu dis que non, Liv, parce qu'il y a une manière de contredire les gens. Mais quand tu viens plus comme cela, là, c'est pas joli à voir, au fait. Vous êtes de grandes personnes. Yasmine, moi, je ne connais pas ton âge. Toi-même, tu es venu la dilanier de ton truc. Donc, du coup, là, il ne faudrait pas que ça aille là, de gauche à droite, quoi. Tu vois, non? Bonsoir. Non, Liv, plaisante. Eh, t'as bon métier à monter, bonsoir. Tu ne peux pas lire les écrits et puis interpréter les écrits. C'est vraiment difficile quand vous le faites. Vous comprenez, les commentaires font partie des lives. Maintenant, quand quelqu'un écrit, puisqu'il n'y a pas de tonalité, je vous demande de relire à plusieurs reprises. Peut-être ça va vous aider à mieux comprendre. L'archère n'a pas, dans ce qu'elle a écrit, nullement elle vous a traité de faux cul. Ce que l'archère est en train de dire, elle explique que sur le net, on ne se dit pas beaucoup les vérités. C'est la raison pour laquelle les problèmes perdurent. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Nullement elle n'a voulu manquer de respect à Bourgeoise, qui est ma personne. Nullement elle a voulu manquer de respect à Livy. Nullement elle a voulu manquer de respect à personne sur le panel. Ce qu'elle est en train de vous expliquer, c'est que tous ces problèmes arrivent parce que les gens sont des faux culs. Et les gens ne se disent pas la vérité. Donc, puisqu'il n'y a pas de tonalité dans les écrits, c'est parti en cacahuète. Vous comprenez. Donc, calmez-vous, ne tombez pas là-dedans. Essayez, ne prenez pas vraiment les écrits au premier degré parce que ça risque de vous mettre dans beaucoup de difficultés de compréhension. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, bisous à vous. Et puis, non, attends, bonne boy. Je peux parler, s'il te plaît. Oui, moi, en toute franchise, je n'aime même pas pour les écrits de la fille, méchamment. C'est que je voulais lui dire, j'étais en train de lire son message, mais il faut monter. Tu as venu dire ce qu'elle a fait, dont elle-même ne se rappelle pas. Et elle se pose des questions. Tu comprends? Sinon, c'est écrit, mais maman, il n'a pas le temps de mettre des organiciens. À cause de ça, je dis, parfois, allez plus loin que ce que les gens écrivent. Hein, Livy? Toutes vous êtes de belles personnes. Hein? Passez là-dessus, parlez de nos problèmes. Actuellement, moi, c'est les faits, c'est le beau thème, mon combat. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'il peut faire le moutou au moutou? Allez-y, montrez-nous les astuces. Et puis, montrez les astuces des hommes aussi. Il y a trop d'hommes qui ont beaucoup d'hémorroïdes. Vous n'aimez pas qu'un garçon ne dure pas, non? Donc, voilà des astuces pour vous. Hein? Les plus belles, je vous embrasse, je vous aime et je vous laisse. Très bon panel à vous. Ok, merci, bon boy, merci. Tu peux frapper encore, ne te dérange surtout pas pour ça. On n'est pas allergique au Bawin. Voilà, on n'est pas allergique au Bawin. D'abord, les gens. Et puis, j'ai regardé quelque chose rapidement. Quand non, que c'est devenu mondiante. Vous m'avez déjà vu mondier quelque chose sur panel. Des gens me donnent. Je suis assise et puis ça vient vers moi. Ou bien le fait de partir danser et puis on te donne Bawin, c'est mondier Bawin. Arrêtez un peu là. Vous m'avez déjà vu que non, je suis là, j'attends Bawin. Arrêtez d'être un peu frustré dans votre vie. C'est quoi? Les gens vont prendre de l'argent pour recharger leur compte, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire. Ils envoient des cadeaux aux gens. Et on leur dit merci parce que c'est vraiment gentil, c'est un beau geste. Vous, pour vous, vous êtes désolé et vous êtes estomaqué. C'est quoi le souci? Laissez-nous apprécier le geste des gens. C'est parce qu'on attend pour manger, mais tout. C'est-à-dire que tellement vous n'avez rien à dire sur moi que non, elle est une mondiante. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est mes mains, camarade, de poser calibas. Donnez-moi des cadeaux. Voilà. Donnez-moi des cadeaux. Là, vous allez voir que chose mondiante, là, c'est conseil apprécié. C'est de ça qu'il s'agit. Faites votre cri de guerre, là. Il y a d'autres aussi. Ils donnent ça aussi en soum-soum. Ils sont pleins comme ça. Maintenant qu'on a assis sur le panel aussi, là, on apprécie très bien les cadeaux qui viennent à nous. Pourquoi on n'est pas appris? On dit des souris, ils vont t'envoyer un lion. Quelqu'un des souris là. On dit des souris, ils vont t'envoyer un lion. J'en sais rien, moi. C'est dans les commentaires. Pardonnez, la bourgeoise. Living, vous pouvez faire vos pignons. Je ne sais pas ce que vous faites sans faire parce que ça résonne tellement chic. Dans les commentaires, je vois. Voilà. Hé, il ne faut pas sourire. Il a zéro niveau, pas cadeau, n'est pas donateur. T'es qui? Il a zéro niveau, pas souris. Oh, franchement, TikTok. Non, mais sérieux. Hein? Pardon, faites vos petits cris de guerre, le pion, là, je veux entendre le pion. Bon boy, c'est un donateur. Même bon boy, il donne. Bon boy peut dépenser au moins 5 à 10 cas parfois. Mais quand il s'assoit parfois, puis il dit qu'on voit les cadeaux là. C'est pour juste déstresser, c'est pour s'amuser. Hein? C'est pour s'amuser. Donc arrêtez un peu, même si on voit une fleur. On a tous besoin. Donc ne pensez pas que les gens sont des mendiants. Parce que moi, le solide m'a donné, j'ai entendu. Pion, je vais prendre pour le solide s'il me donne. Merci beaucoup, Jean-Paul.
faut qu'on vous respecte. Le soleil, c'est un donateur. Donc, si ce donne-là, faut quand même que j'arrive à être conciliante. Je prends pignon. Parce que c'est pour moi. Affiché en tant que sorcière quelque part là-bas. Fatou, je vais terminer mon truc, pardon. Même moi, non, mais visage vert. Et puis, en plus, c'est vous. Est-ce que vous savez que la sorcière qui l'a mis là, elle a un nom? La parole, pardon. Même moi-même, là. Ah, pardon, pardon, il y a diminué le volume là. J'ai un nouveau 23. J'ai donné aussi, à un moment donné. Ah, mais si les gens donnent là, tiens, respectons-les. C'est pas comme si on est des mendiants. Parfois, la dosant un peu. Arrêtez ça. C'est de l'argent que les gens prennent pour les gens. On ne les a pas envoyés. Hein. On n'a pas demandé aussi. Mais c'est un respect. C'est un respect. Et puis, c'est une considération. Donc, arrêtez un peu. Personnellement, moi, je ne vais pas permettre que quelqu'un manque de respect à quelqu'un qui est de mon lait, qui me donne même deux fleurs, même une fleur, qui me respecte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ça doit être pareil pour nous tous. Toutes nos personnes, là, on doit quand même arriver. Donc, c'est pour ça qu'on dit que prenons la paix. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer les cadeaux. Moi, la paix, moi, la paix et moi, le respect, petite, c'est la base d'une relation. Depuis que je suis petite, voilà. Là, j'ai toujours respecté. J'ai toujours été... C'est-à-dire que j'ai toujours fait profil bas dans ma vie. Parce que c'est comme ça qu'on m'élevait. Faire profil bas dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Donc, moi, quand je peux me rabaisser, ce n'est pas être faible. Hein, parce que moi, je peux être guindée. Hein. Moi, je peux être guindée, mais ce n'est pas être faible. Je préfère être plus petite. Voilà. Parce que je sais ce que je recherche dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup pour les Baouin. Faudrait pas qu'on mette incompréhension et puis manque de respect. Elle dit ça en général. Quand on parle à Pierre, on doit parler à Paul aussi. Non, attendez, je viens. Tu m'as dit de regarder, je regarde et puis je parle. Pardon, excuse-moi. Pour moi, il ne faudrait pas qu'on mélange incompréhension et puis manque de respect. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver. Donc, il ne faudrait pas qu'en même temps, on soit aux aguets et puis vous dites que non, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut qu'on fasse souvent profil, mais puis mieux se comporter, c'est encore mieux. Donc, ne mélangeons pas incompréhension et puis, comment on appelle ça, manque de respect. Non. Ça, les incompréhensions, si on a parlé tranquillement, on peut s'entendre. Le général, bonne arrivée. Bonne arrivée et puis joyeux anniversaire à toi. Voilà, on t'a cherché hier, mais après, on n'est pas là. Donc, rendez-vous. Merci, général. Voilà, quand même, tu m'as dit mon bébé chou, parce que j'adore tes cadeaux que tu me donnes là, même si ce n'est pas Lyon, mais il faut que quand même là, quand je te vois là, je parle de toi un peu. Parce que pour moi, c'est respectueux. Pour moi, c'est gentil de ta part de faire ça. Donc, parfois, quand il y a des petites incompréhensions, il ne faudrait pas qu'on chasse ça sur notre tête, comme si, par exemple, peut-être on attendait, ou même, et puis parfois mentionner à cause des cadeaux. Non, laissons les cadeaux, puis prenez les personnes comme nous, puis dites que non, c'est une incompréhension, ça arrive. Voilà, c'est un peu ça, au fait. Donc, en tout cas, merci à tous les donateurs. Merci vraiment de recharger votre compte avec de l'argent pour penser à nous donner un peu de trucs. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà, c'est pas de la mendicité. Vous aussi, c'est pas une obligation pour vous. Oui, s'il vous plaît, parlez des donateurs parce que la dernière fois, l'influenceur a fait un live où elle a dit que les donateurs sont un peu pas dit. Ça, c'est pas tout, mais demandons. Elie, qu'est-ce que tu as dit de bien sur les donateurs? Même Dan, c'est mon donateur. Dan m'a jamais donné 5 francs. Hey, Dan, faut s'y assurer. Et puis, il n'a jamais vu t'a cassé œuf même. Jean, il n'a jamais vu donner même à quelqu'un. En fait, moi, je vous dis quelque chose. Moi, je demande Baouin à mes personnes. Je n'ai pas honte de les demander parce que dans la ville, là, on passe en dessous. Merci beaucoup, Big Mike. Comment tu vas, mon frère? Il faut t'apprêter. C'est à toi que j'ai fait le match, Big Mike. Voilà. Donc, Yedi, qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai peur de faire match. Libi, vas-y. Ou bien, Fatou, si tu veux parler, tu parles. Je dis. Vas-y, donc. Voilà, comme j'ai déjà fini de manger un peu de piment dans ma bouche. Respectons les donateurs. Chers donateurs, que ce soit une rose, même que vous nous donnez, moi j'ai toute ma reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est de l'argent. C'est comme si on avait 10 francs pour payer la rose. Vraiment, merci. Si parmi nous, les renchérisseurs, les panélistes, certains vous ont manqué de respect sans le vouloir. Les chroniqueuses. Moi, Livy, je vous demande pardon. Comme je le dis, les donateurs, j'ai l'impression qu'ils aiment ou on les respecte. Ce qui a fait que Facifem n'a pas suivi mon langage. Moi-même, dans la vraie vie, un coin où il n'y a pas de respect, mon livre ne reste pas là-bas. Et il essaie de respecter l'homme. Donc, il y a trop de palabres, les donateurs aiment. Parce qu'on est debout. On vous parle des débouts. On vous parle des débouts. Donc, il s'agit des débouts là. On doit forcément. Ils n'aiment pas le bruit, ils aiment la tranquillité, la joie, la paix. Donc, pardonnez,
chers TikTokers, chers enchérisseurs, chers chroniqueurs, chers panélistes, respectons les donateurs. L'argent n'aime pas le bruit. Donc, déposez les âmes et accueillons les donateurs avec un tapis rouge. Je vous remercie. J'aimerais dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Dan Yedo. Mais ce que Dan Yedo, le journaliste, l'a vu, ce que Dan Yedo fait, c'est-à-dire ce que Dan Yedo fait, ne me faites pas parler, mais quand il y a eu l'aide de soulèvement, là, ça n'a pas empêché Dan de venir, ça pour dire, envoyez-moi les Baouins, envoyez-moi les Baouins. Mais vous connaissez la poche de Dan? Vous ne connaissez pas la poche de Dan? Il est très chargé. Vous ne savez pas comment Dan s'investit, mais une fois elle est montée pour se prêter aussi au jeu, donc parfois la doser. Oui, il y a un message de Bonne Boy ici. Fatoumi, toi, s'il te plaît, il insiste. Ça fait deux fois qu'il m'a tagué. Bonne Boy, tu sais, moi, je ne suis pas rancunier. Si tu dis quelque chose contre Yassine, c'est que je mens. C'est une sœur, une petite sœur. J'ai rien contre elle. Non, il m'a mis en commentaire deux fois. Bonne Boy, arrête ça aussi. Non, tu as monté, tu as essayé de calmer les choses. Mais tu as vu ce qu'il a mis? Je n'ai même pas vu. Donc, il a dit un mot pour taper. Il veut que je lui prouve que j'ai rien pour taper. Il faut dire un mot pour taper. Oh, il faut aussi, ma soeur. C'est une grande soeur. Elle va venir. Non, il n'y a pas de bonne boy. Non, il m'a juste dit que. Et non, il dit juste un mot pour ta petite soeur qui est en haut. Il a fait deux fois le message. Donc, il y a... franchement, bonne boy, reste tranquille. J'ai rien contre elle. Il n'y a même pas de souci. Si elle était fâchée depuis hier, j'étais mon corps à terre. Elle est même plus montée. Mais si je suis remontée, c'est parce qu'il me dit que ça ne vaut même, ça vaut même pas la peine. Donc, ne t'inquiète pas pour moi. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Je me mute. C'était une parenthèse. Merci, Livy. Le plus, il a parlé au coin. Il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Il était muté depuis. Non, elle parlé au donateur. Donc, il faut que les donateurs disparus. Elle est respectée. Toi, même, c'était une grande donatrice. Pourquoi elle donne plus? Non, pardon, allez là, moi, mais il me cherche. Il veut des nids cocosseuses. Si c'est comme ça, on est les donateurs, nous, on est les cocosseuses. Non, attends, mais Fatou, tu es une donatrice, Fatou. Tu es une voix. Fatou, tu es une donatrice. Non, ils sont corrompus. Ça vous fait comprendre que nous sommes tous des donateurs. Moi, j'ai rechargé mon compte. J'ai rechargé mon compte à 500 000 budget si vous faites vous donner cadeau pendant 3 jours seulement. Il y a eu badge 25 en 3 jours. Vous comprenez? Actuellement, il y a badge 25. Je pensais me suis bloqué là, c'est parce que non, Panda, faut laisser match là, faut donner en même temps. À chaque fois que je relis mon compte, quand je relis mon compte à ma carte là, il y a un problème avec mon iCloud. Tous les jours, c'est ce que ça me fait. Donc bon, ça m'a bloqué un peu. Donc quand on monte parfois, peu de temps de parler, vous n'avez pas entendu toute la arrêter de vous tout. Donc les donateurs, vous avez tous nos respects parce que moi c'est comme ça que j'ai été élevée. Respecter les gens, ce que moi je sais de par ma spiritualité, par ma crainte de Dieu. Quand quelqu'un te donne, il faut respecter la personne. Même si la personne ne te donne pas, il faut toujours accorder du respect. Mais comme moi, je suis beaucoup mon créateur, il aime les gens qui font des offrandes, il aime les gens qui donnent. Et ça dégage beaucoup de choses. Donc moi, là, je ne peux que respecter. Moi aussi, je donne aux gens aussi. On me respecte. La vie est ainsi faite. On n'est pas qu'on se gonfle. Sinon, on n'est pas des mondiens ici. On est là juste pour les games tranquilles, quoi. Voilà. Donc, big up au donateur. Que ce soit une fleur, que ce soit, je ne sais pas, 10 pièces, que ce soit un lion, que ce soit tout un univers, que Dieu vous bénisse abondamment pour ça, parce que c'est votre argent que vous prenez pour le faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bravo, on va applaudir. Voilà. Attendez, c'est votre agence. Pignon, qu'on va respecter les donateurs. Pignon, on va les respecter. On va les respecter, les donateurs. Parlez, je me mute. Comment quelqu'un qui ne donne pas? Bah, c'est pas. Bah, c'est donc, l'argent. Écoutez, il y a passé un message. Il y a chance. Il y a son jeu concours le soir chez Aya Robert. Voilà. Pour ceux qui peuvent aller la soutenir. Oh, merci beaucoup. La grande dame au cœur. Au cœur d'or. Merci beaucoup. Cœur d'or. Voici une vraie dame. Vous voyez la dame qui est là comme ça. Elle n'est pas sur TikTok à cause de moi. Hein. Elle n'est pas sur TikTok aussi à cause de Waka. Elle est sur TikTok là. Peut-être qu'elle peut aimer ma gamme. Et puis elle vient me donner des cadeaux. Donc, souvent, quand elle donne des cadeaux là, ça. C'est pas, il n'y a pas de sonner. Ah, mais elle envoie un cadeau à Livy. Pourquoi elle ne nous envoie pas? Ça, à toi, elle ne va pas parler. Ah, mais oui, la marraine cadeau, envoie-nous aussi. Envoie. Ça ne veut pas dire qu'on est mondial. C'est le Dieu. Parce que, attends, je viens, Livy. Elle est très. Elle donne cadeau à tout le monde. Elle est là pour tout le monde. Donc, là, bonjour à toutes ces personnes-là. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, de ce que moi j'ai appris de par ma religion, Dieu même, il adore les gens qui font les offrandes. Et quand c'est comme ça, Dieu te lève encore plus. Maintenant, moi, je suis qui? Je suis assise comme ça, qui vient me donner cadeau. Et puis, moi, de me guinder quoi. En tout cas, Annie, tiens encore. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais dire une seconde, madame. Okay, si vous avez vu le commentaire de Croyé, groupe scolaire. Les enfants avec les calebasses. Madame, vous plaît, exprimez-vous. Hein. Une 30 secondes. Et sans te parler, vous de la pardonner.
Je peux parler, madame Fassifiable? Parlez, madame. Parlez. Voilà. Je reviens encore sur cette dame, une donatrice puissante. Et il y en a beaucoup, il y a Jocelyne. Elles sont tellement nombreuses, mais c'est ce qu'elle fait, ça va dire. Là. Quand les dames, là, ma maman, là, elles viennent là, elles ont leur cadre dans leur main là-bas. Quand elles aiment ta gamme, elles t'envoient. Et même souvent, quand elles ont leur préféré, de parler, s'il te plaît, amour. Quand elles ont leur préféré, bon, peut-être déjà qu'elles peuvent apprécier, c'est naturel, elles peuvent nous apprécier, nous sommes au même niveau. Mais quand elles viennent donner, elles nous baptisent un peu. Donc, on doit respecter ces donatrices-là. En tout cas, mon cœur d'or. Merci beaucoup, cœur d'Eden, c'est cœur d'Eden, non? Elle a cœur d'Eden, elle a cœur d'Eden, elle a deux comptes. Entre le cœur que. Merci beaucoup, maman. Tant que tu peux, baptise-nous, nous, on va prier pour toi. Moi, mais il y a pour un jeune 3 jours pour prier pour tes finances. Maman, cœur d'Eden. J'ai pour un jeune 3 jours, j'ai prié pour tes finances. J'ai prié pour maman. Il commence à tapoter. C'est-à-dire, il commence à tapoter. Pour vous, la même, c'est même pas ce que je vais dire. Vous êtes tellement bien. Vous êtes tellement gentil. C'est ça qu'on appelle donner de son temps. Voilà. C'est-à-dire que, on a, même si c'est vrai, on aime le bourré, c'est le bourré qui vous pousse, mais quand même, venez tapoter un live là, sans qu'on était appelé là. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quand même avoir aussi un bon cœur pour être, pour faire ça aussi. Emmener des cœurs, tout ça. C'est vraiment gentil. Tout ça, c'est ce qui va me faire booster les lives. Voilà. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc, vraiment, merci à vous, les tapoteurs aussi. Voilà. Et puis, tous ceux qui commentent. Parce que sans vous, c'est pas envie. Ça se parler de qui. Donc vraiment merci. Voilà, Kouki, tu veux dire quelque chose? On dit la calebasse est pacifiée pour nous combattre. Vraiment la calebasse. Non mais laissez ma calebasse, moi je suis respectueuse, ça n'a rien à voir. Non mais je vous rejoins. Allez, s'il vous plaît. Désolée. Je vous rejoins un peu dans ce que vous dites là, dans ce que vous avez dit. C'est vrai, faut remercier ces personnes-là qui donnent sans rien attendre en retour. Hein. Parce que nous tous, on sait comment est-ce qu'il faut recharger un compte TikTok. Mais c'est des personnes qui sont dévouées, pas dévouées. C'est des personnes qui ont décidé de le faire pour pouvoir soutenir leur confrère à travers nos propos et tout ça là. Et Priscilla. C'est de l'argent qu'ils donnent à des personnes qu'ils n'ont jamais vu dans la vraie vie, à des personnes qu'ils apprécient, tout et tout. Franchement, merci. Continuez et on continuera aussi de prier pour vous, de vous porter tout mon cœur, pour tout le bien que vous faites. Et merci aussi aux commentaires, aux personnes qui sont là, qui sont dans les commentaires. Là, c'est un deuxième live aussi, hein, parce que souvent même le panel n'est pas intéressant, mais quand tu regardes dans les commentaires, là, franchement, il y a de quoi faire ta journée ou même ta soirée. Merci à toutes ces personnes qui enrichissent les panels, les différents panels. Et le mot de fin que j'aimerais rajouter là, c'est apaiser vos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps là, franchement. Vraiment pas que ça revienne encore. Parce qu'avant TikTok, il y avait tellement d'amour, il y avait tellement de joie, de convivialité sur les différents. Ah, Kouki, en dehors de l'autre, c'est un peu difficile. Les bébés ne veulent pas te laisser. Laisse tomber. Son réseau balance. Il y avait tellement de convivialité avant. Et maintenant, même monter sur un panel, tu as peur. On aimerait retrouver le lus d'antan qu'on avait avant sur les différents panels. Là. Stopper toutes les guéguerres et puis voilà quoi. Qu'on reprenne comme avant. Les petits lives, les petits amusements qu'on faisait, les petits attachements, tout et tout, voilà. C'est un peu ça. Là, je pense que vous donnez la force à certaines personnes, soit de s'améliorer, parce que quand il y a des commentaires, il y a des interventions positives, et ça vous touche forcément, ce qui fait que vous réagissez automatiquement à travers vos cartes et autres. Donc, vraiment, merci à vous. Mais il y a quelqu'un qui m'a signifié la dernière fois sur l'élève de Waka que le jour là, j'étais montée à 10K, que oui, que c'est à cause du problème là que j'ai eu 10K de écoute. Quelque part, ça m'a amené à réfléchir parce que quand on fait des lives de joie, de renchérissement dans l'humour, parce que moi, je tiens une chronique de renchérisseuse dans l'humour. Donc, apparemment, ça ne porte pas de fruits. Vous aimez quand peut-être les personnes sont en mal et autres pour peut-être les remonter, les réconforter et autres. Moi, j'aimerais que vous fassiez Il y a ça qui t'envoie. Mais vite fait, quoi. Aïe! Il y a personne qui m'a dit.
Non, la personne m'a dit clairement que c'est parce que dans ta voix, il a senti que tu avais eu mal. Tu étais triste. Donc, il ne voulait pas te laisser dans la tristesse. La personne, il ne faut pas penser que c'est passé avec Bafou. Hein. Non, 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 je n'ai pas pensé mal. Attendez, je n'ai pas pris ça mal. De mon temps sur certains panels, c'est... Tu ne vas pas prendre ton argent pour partir? Non, calme-toi. Je veux, en fait, je ne dis pas... Franchement, je ne sais pas si peut-être je m'exprime mal. Excusez-moi, attends, bourgeoise, excuse-moi. Tu veux dire que tu veux nous faire comprendre que le jour où tu as reçu 10 cas, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire que c'est parce que... Effectivement. Non, attends, tu veux parler du commentaire là, au fait. Oui, mais non, en fait, oui, le commentaire, mais peut-être que beaucoup ont pensé pareil. Mais en fait, moi, je n'ai pas pris un mal. Parce que j'estime que peut-être que la personne a vu peut-être mon mal-être, tu vois un peu, pour pouvoir peut-être me réconforter et autres. Mais moi, je veux dire que je veux surtout, je n'ai pas dit que ça ne me fait pas plaisir, mais je veux surtout que les personnes voient plus mon côté foufou, là, quoi, folle, comme on le dit, mon côté folle, la bonne humeur et autres, pour peut-être la manière de renchérir dans l'humour, pour que ça fasse plus plaisir. Tu vois, je ne sais pas si... certaines personnes comprennent, peut-être que moi je n'arrive pas, je ne sais pas comment expliquer, mais je veux dire que sans cas, je veux qu'on retienne plus ça que peut-être le fait que je me sens peut-être mal en ce moment précis là. C'est-à-dire que le jour où je suis en train de renchérir dans l'humour, en train de rigoler et autres, toutes ces personnes là, moi je peux dire que c'est des personnes, oui, au grand cœur, mais qui sont doté d'une générosité, parce que prendre de son argent pour pouvoir faire des dons aux gens, et voilà, il faut vraiment être animé d'une grande générosité et d'un cœur blanc pour pouvoir le faire. Voilà, donc franchement, excusez-moi tout à l'heure, je suis pas comme ça, c'est un peu ce que je veux dire, je suis pas comme ça d'habitude. Je fais 99% de mes montées sur les lives, c'est pour enchérir dans l'humeur, dans la bonne humeur, dans l'humour surtout et autres, voilà. Donc, pour certaines personnes qui ont été choquées aujourd'hui de mes propos, vraiment, excusez-moi, et puis je vais m'excuser pour la dame que j'ai manqué tout à l'heure. Franchement, peut-être que elle peut savoir que c'est pas dans mes habitudes. Moi-même, attends, la bourgeoise, celle qui était en commentaire, c'est ça? Oui, ça qui est en commentaire, j'ai oublié de le commenter. Voilà, la chair, pardon, excusez-moi. La chair, excuse-moi. Vraiment, mille excuses. Peut-être que ça a été une incompréhension, bien peut-être que, comme le gars, il est monté tout à l'heure pour faire chose, vraiment, mille excuses. Peut-être que j'ai fait un transfert de colère vers toi, vraiment, excuse-moi pour mes propos. C'est pas dans mes habitudes. Si tu as l'habitude peut-être de monter ici des panels où je suis, qui plaît pas vraiment, ça, c'est vrai, ça peut ne pas, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Et moi-même, en ce moment, je me remets en question pour certaines choses. Mais bon, franchement, je me dis qu'en tant qu'ivoirien, les attachements, ça passe et autres, on en rigole. Et puis, bon, voilà. Sans vraiment, sans mettre les organes, le cœur, la haine. Moi, je le fais pas dans la haine. Le plus souvent, je le fais pour rire, pour détendre un peu le panel, l'atmosphère et autres. Voilà, voilà pourquoi je dis maintenant que si je dois renchérir, si quelqu'un, c'est mon bon boy, parce que lui au moins, il est ouvert, il a le cœur ouvert, et puis on en rigole, et puis voilà, ça passe. Vraiment, excusez-moi, toutes ces personnes que j'ai heurtées dans mes renchérissements, vraiment, excusez-moi, peut-être que ça plaît pas à tout le monde, comme on l'a dit, mais... La bourgeoise, pourquoi tu veux changer, la bourgeoise? Pourquoi veux-tu changer, là? Je comprends pas. Je t'ai déjà dit, il y a les heures sur la WhatsApp TV, ok? On a des heures. Moi, quand je viens avec son faux chocobie, avec ce nanani, nanana, bon, on n'en a rien à foutre, là. C'est toujours moi. Après, il y a les autres personnes qui monteront, il y a des hommes. Et puis, il y a l'heure de la bourgeoise et des Tracy Love, là. Quand vous êtes à la Wakatolo TV, mais on rigole jusqu'on peut même plus dire, ah, ma chérie, s'il te plaît, la bourgeoise, moi, non, je t'aime telle que tu es. Reste ainsi, ne change surtout pas. Le solide, il est où, le solide, là? Parce que c'est le solide qui veut faire changer notre bourgeoise, hein, notre grande chroniqueuse, hein, lorsqu'elle prend la parole, qui rentre tout court. Ah ouais? Quand on s'est connus, c'était chez Anti à l'époque, ça date de un an. Tu ne parlais vraiment pas beaucoup.
tu venais, tu donnais des cadeaux, tu montais. Bon, on parlait vraiment pas trop, hein. Pas du tout. Mais tu n'as pas laissé la partie. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon. Non, 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 t'inquiète. Non, c'est tout ça, le renchérit charge. Je ne sais pas, depuis que tu as rencontré papa bipolaire, l'homme qui a 6 visages sur TikTok, hein, qui non, est toujours non. Là, on m'a envoûté. On m'a envoûté avec un max de vêtements. Non, non, non. Mais laissez-moi dans mon renchérissement, c'est quoi? Non, 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 il y a ça pour être dit ça. Non, mais je suis en train de rigoler. Mais vous, le solide de moi, il n'y a pas ça. Il sait que si je l'attends, c'est pour rigoler. Laissez-moi là. Oui, je sais, je sais, je sais. Papa, le pide. Attendez, Bibina, laissez. Si vous mettez votre bouche en Serge Tano et moi, vous allez avoir honte. Parce que dès que je finis de l'attacher. Yeah, vous allez avoir honte, je vous dis, en même temps, ne rentrez pas entre nous deux. Parce que c'est moi qui l'ai validé sur TikTok. Il faut laisser à côté oui. Le solide. Ça pourrait être dit ça, pardon. Non, c'est pour rigoler, Bibina, t'inquiète pas, là, t'inquiète pas. Tu vas voir comment je vais chuter, en fait. Donc, je voulais dire, depuis que tu as rencontré papa au 10 visages sur TikTok, mon frère le solide, je te reconnais plus. Redeviens le solide qu'on adorait tant, qu'on aime te caresser dans le sens du corps. Négro, le solide, qu'on aime très, très fort. Le donateur, le plus debout des donateurs de TikTok, celui-là qui parle pas trop, qui agit. Hein, qui aime pas les foutaises, là. Quand il est là, c'est du tic au tac. Mais moi, j'ai eu 500 euros de la part du solide à mon match. Mais faut t'appeler Léo, pardon. Faut t'appeler Léo. Voilà, on a, je préfère qu'on reste comme ça, s'il vous plaît, les mais non, mais je l'appelle, là, qu'il vienne pour qu'il parle avec la bourgeoise et autres. Mais non, pas, faut pas en mélanger les autres. Non, c'est bon. Tapons. Il a dit que. Voilà, moi, je vais vous faire descendre de ce panel-là parce que... Attends, vous n'avez pas compris, hein. Quand je ramène... Quand je ramène Serge Tano, c'est pour rigoler. Non, c'est son français, là. Il n'y a rien entre les deux, là. Les deux s'entendent à merveille, non, voilà. C'était juste pour rigoler. Je descends. Bien sûr. Oui, vas-y. C'était juste pour rigoler, c'est tout. Va souffler. Merci beaucoup. En tout cas, qui aimerait parler encore? Bon, on va parler de Bibina pour les... Non, s'il te plaît, pardon. Attendez, il y a un renchérisseur dans les commentaires là. Il s'appelle Monsieur Égal Papato. Voilà. R virgule Papato virgule voilà. C'est qui la personne qui a mis le commentaire? Écoute, il a te dit ce qu'il a mis, parce que c'était plus beau, vous étiez parlé. Non, j'ai vu, non, t'inquiète, j'ai vu. Il a mis JM Monsieur est égal à Gberek Papato. Voilà. C'est pas Béret, c'est Béret. Voilà, Béret. Mais c'est son la passe tous les jours, c'est son. Attends, maintenant, moi, il a dit que ah, vraiment, ton nom a vraiment d'air. Et puis, comment ça arrive, là? Et puis, elle me dit. Attends, Fatou, tu étais là. Vous l'avez vous blessé, au départ, ça peut vous payer, mais il y a la mise. La doxa, Fabienne, maman de Noan. Bibou, merci beaucoup à tout le monde. De parler, puis tu allais dire au revoir. Après, moi, je ne dis pas. Je voulais juste dire que Béret Papato, voilà, là. Il lui a dit, mettons là ton nom, là, c'est comment comme ça, là. Et puis, elle a commencé à rire. Et puis, elle a dit, j'étais la perruque Godieu de Viviane. Même si ça vous fait pas rire, moi, ça me fait rire, quand même. C'est un comment... c'est un envoi. Moi, j'étais la perruque Godieu de Viviane. Ah, c'est son nom qu'elle a changé. Elle a changé. Vous changez vos noms. Tata Marie Toussaint, merci beaucoup. Tata Marie Toussaint, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Est-ce que tu viens de faire tout à l'heure? Merci beaucoup, Tata Marie. Merci. On dit le monsieur, il avait fait quoi ici? Hein? Il y a eu pas la. Dites-moi, en fait. Non, il est venu dans la paix du Seigneur pour s'excuser et puis bon. On a décidé de régler les choses avec tout le monde, hein, y compris toi, tout et tout, mais tu n'étais pas là. Mais je pense qu'il y aura un autre panel là-dessus parce qu'il nous faut ça. Voilà. Après, la dépression qu'elle a là. Il faut qu'on apaise les choses. Voilà. C'est sans rancune, vous savez. Non, on n'a pas que ça à faire. On a une vraie vie aussi. Hein. On est ici, là, c'est pour se déstresser, causer, rigoler. De base, c'est pour ça qu'on est venu. Moi, je dis, je suis venu, non, on sourit même. Avec la. Fantasia, il y a laissé. Au moins, il n'y a pas de problème. Tu sais. Moi, je suis un bélier. C'est sur le tas, mais après, là, il y en a à foutre, hein, en fait, en vrai. Donc, et puis, non, on n'est pas rancunier. On n'est pas vraiment rancunier. On a un peu de recul, mais c'est sur le moment. On rend et puis c'est fini. On n'est pas dans la chose. On continue. Bélier, hein, vous là. T'as vu comment elle est intelligente, non? Même si elle a utilisé ça, elle a dit. En tout cas, les béliers, là, ils sont intelligents, hein. Ça, c'est tout ça, hein.
ils sont pas cons. Hein. Les béliers sont intelligents comme un bélier signe de mouton. En général, il faut faire la remarque. Tu vas voir. Même si s'il y a un parmi tes enfants, tu vas faire la remarque. C'est moi qui t'ai dit. Non, y a ça. Moi, j'ai sagé. Dani, pardonne. Faut pas faire. Ils vont m'appeler. Chisa. Parce que si moi, je t'attrape là, tu vas divorcer. Hein. Ah, d'accord. Moi, j'ai failli être fan de toi, mais tu as commencé à aimer par. Tu as vu, non? Tu as vu? Je n'aimais pas là-bas. C'est les gens qui me cherchent. Ils sont venus me provoquer ici. Ils sont venus me provoquer ici. Mais maintenant, là, vous. Si tu entends de cherche, il ne faut pas répondre, Patrick. Non, 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 il y a un compris, mais il y a fini de répondre. Quand tu réponds, ça donne une sale image de toi. Et les gens ne vont pas voir la partie où tu étais prêt. Eh, hey, ma cookie, il y a compris. Oh. Je n'aimais pas le dire. Oui, oui. Comment tu fais? J'ai dit, je dois couper le live là. Faudrait pas que je te descende, c'est ça? Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux couper ton live, s'il y a des gens sur le panel, ne les fais pas descendre, laisse-les. Quand tu coupes ton live, il reste suspendu. Mais si tu les fais descendre, que tu coupes ton live, ils vont se retrouver sur un autre live. C'est comme ça en fait. Parce que matin, quand je me suis réveillée, je pense que quand Waka a coupé, comme j'étais sous son live, ça m'envoyait ailleurs. Parce que j'étais en bas, parce que j'étais en train de rigoler, c'est ce que Abby Gemilan faisait. Et le temps de venir prendre mon téléphone, ça m'envoyait chez quelqu'un que je connais bien. Et puis là-bas, il y avait les haineux, les personnes qui pensent que tout le monde est dans les bassesses, quoi. Et puis la personne dit, oh, il y a une personne qui est rentrée ici, cette idiote-là. Et puis la personne lui dit, mais tu parles de qui exactement? Et puis elle donne mon nom, il dit, plus jamais de ta vie, tu parles de celle-là comme ça parce que c'est mon ami. C'était l'une des premières que j'ai rencontrées sur TikTok. Plus jamais de ta vie. Bouche B, je dis voilà. Donc j'ai écrit dans les commentaires, coucou mon frère, tu vas bien et tout. Il y en a rigolé. Wow. Mais parce qu'il y a des gens, quand elles sont sur des panels, elles pensent que les gens sont dans la bêtise en fait. Tu vois une personne rentrer dans un live, tu commences à l'agresser. Non, il lui a dit, plus jamais tu parles d'elle comme c'est ça. Je ne connais pas, pas du tout. Qui ça? Qui avait dit ça? J'ai mis dans les... Non, je préfère ne même pas dire le nom de la personne. Ok, je suis là. Voilà. Non, je ne suivais pas en fait. Non, tu n'as pas de nom. Mais la personne a tellement sûr. Il n'y a pas de barrière avec ça. Les gens sont dans leur guerre. Alors qu'à l'époque, la personne, non, on faisait tellement de live ensemble, on rigolait tellement. Ce sont eux qui t'interdisent en fait de monter sur certains panels. Que oui, tu n'as pas le droit de partir là-bas. Que si je te vois là-bas, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais n'importe quoi, il n'y a personne qui paye la connexion de qui que ce soit ici. Hein. Faut qu'ils comprennent qu'on est libre de partir là où on veut. Moi, j'ai très mal mon corps là où je veux. J'ai pas envie de monter sur un panel. Je ne monte pas sur le panel là. Il n'y a personne qui peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Faut que les gens le comprennent. Aïe. Aïe, yeah. Oui. Non, non, non. J'avais une photo ici avec la femme de Drogba. Elle est devenue tellement magnifique là. Merci. C'est pour ça que j'ai dit imposer le respect. Parce que moi, le respect. Même dans les commentaires, les gens n'ont pas le droit d'insulter les gens dans les commentaires. Hein. On peut ne pas être d'avis. Tu peux taguer la personne. Non, je suis pas d'accord avec toi ici. C'est ton opinion. Bon, j'arrive. Bibi a fini de faire son concours là. Ah, cette personne dit que son balance. En tout cas, Dan, c'est moi que tu dois choisir là. Pour le baouin. Attends, je... Pour le baouin, c'est moi, tu dois choisir. On se mute. Attends. Ça va de... Pour ça. Ça bug. Merci pour le tapotage. C'est bon. Ok. Si, on va choisir un jour spécial. On fait un panel pour tous les donateurs. Non, pas pour les donateurs, ils n'ont qu'à revenir, c'est vraiment, c'est fort. Non, mais il faut dire vrai, tiens, toi, tu es devenu. Je vais éteindre mon téléphone pour revenir. Attends, Cookie, je vais éteindre mon téléphone, je reviens. D'accord. Et puis les petits palabres inutiles, vraiment. Bon, on a commencé une nouvelle semaine aujourd'hui, c'est lundi.
on va se battre pour ne pas avoir d'histoire jusqu'au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et puis on continue comme ça. On va commencer par là. Non, ça peut, hein. Ça peut. Même s'il y a, un peu de bafou, ça n'a qu'à être vraiment très léger. Légèrement titillant. Vous voyez, non? Puis on va avancer. Le débat n'est pas venu pour ça. Oh. C'est tous les jours, vous venez sur les panels, les guéguets, franchement, c'est, ça donne un mal de crâne fou. Il y a quelqu'un coucou qui avait me dépassé. Il y a... Non, on peut même pas partir à la poste pour y venir. Elle va parler jusqu'à avoir perlèche. Pourtant, c'est, pourtant, depuis là, c'est Cookie qui parle. Pardon, dites-moi en commentaire. Entre les, tout le monde qui est ici, là, qui parle plus que qui? Ah, Livi, ça va, quand c'est mon tour, là, il laisse pas, mais vraiment. Tchè. Je voulais dire quoi, même? Jusqu'à y oublier. Eh, mais rappelez-moi. Attends, je voulais dire quoi, même? Attends, quand il me rappelait, il a ouvert mon micro. Quand tu auras fini, bien sûr. Prends la parole à l'homme. On est pris toilette. Qui est moi ou Yafatou? Qui? Elle parle de qui? On va appeler Yapo Viviane pour venir. Quand elle vient à Abidjan de mes bails, elle va venir pour on va appeler Viviane. Viviane va venir vous filmer. Tu vas payer son micro, tu es. Eh, Warkende. Vous voulez gâter mon nom. Tu te fous de moi, mais tu sais pas de qui il parle. Voilà, il sait pas, franchement. Il parle de toi. Il dit que si tu me parles comme ça, quand tu viens à Bidjama, on se croise, c'est pas mon impi, mais ça, c'est ton fond. Ah. C'est bon. Moi, dès que te vois là, en même temps, il commence à courir. T'as de ça, parle. T'as pas de plaisir, mais il est obligé. Tu aimes trop parler. Non, c'est quelqu'un. On va voir si tu vas me frapper. Là, il y a des cas de quoi, quoi. Oui, il sait. Il y a on me voit, bon, on me voit. Oui, on te voit. On voit ta photo, ta photo. Voilà, je voulais faire monter ma personne personnelle là, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Oh mon Dieu. Oh, Dani. C'est trop d'honneur. Ah là là, la voix. C'est trop d'honneur. Je mérite. Bon, je descends de ce panel. Je descends. Mais lui, il est pas. Je descends. Tu... mais où pas. Mais attends, où pars-tu? Je reste le même panel, Dan, ça me stresse. Je suis stressée. Ça te stresse je comment? Oui, je suis stressée. Arrêtez, oh, il me mute même. Ça te donne envie de jouer, là. Eh oui, pardon. Non, ne vous battez pas. Hein. Ne vous battez pas. Livi et Fatou, mon cœur est assez grand pour vous aimer toutes. Mais là, pour moi, c'est les deux, là, c'est moi qui cite. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour moi, c'est ça. Non, non, mais au fait, toi, tu as déjà la place, tu as déjà la place, tu vois, tu as déjà ta room et tout ça, c'est déjà assez long. T'es sûr? Oh oui, bien sûr, mon chocolat. Merci. Il n'a pas descendu, moi, pas qui. Il n'a pas descendu pour moi. Toi, il va te jeter là-bas, tout ce que tu as pour moi. Je vais me chasser. Non, mais ne vous battez pas, vous savez que la première, c'est Viviane, donc. La première, c'est Viviane. Je vais partir manger poisson braisé, Tata Vivi. Voilà, Dan, tu fais partie des blancs. Tu vois les blancs. Tu vois les blancs qu'on dit de nos musées rares qui nous coûtent cher. Tu sais que les blancs, ils aiment les masques. Ils aiment les masques. Tu vois les masques poro là. Il est parti chez les partout là maintenant. Masques poro. Je te permets pas. Rarissime. Je te permets pas d'attaquer la première. Dame. Okay. Vraiment. C'est pas possible. Viviane, c'est ma belle soeur chérie. Alors. Non. Franchement, dans ton goût là, toi, on ne peut pas t'envoyer. C'est que si ton frère t'envoie pour dire va dans tel pays, il faut chercher femme pour moi. Là. Non, la bourgeoise, je ne suis pas d'accord. Tu sais que mine de rien, Viviane, c'est une très belle femme. Hein. Bourgeoise ne peut jamais changer. C'est... Non, amusement à part, blague à part la bourgeoise. La Viviane, elle est très belle. Hein. C'est une très belle femme, franchement, elle est belle. Attends, tu veux te convaincre ou bien tu veux nous convaincre? Non, mais... elle est belle, Wallaï. Viviane, elle est belle. Elle est belle. Non, Viviane est belle, amusement à part. Là, je commence à dire. Je vais dire les phénomènes. Je vais la taper dans le comportement. Elle est pour sinon elle est belle. Pour qui j'aime monsieur, s'il te plaît, mon bébé. Oui, vas-y, chérie. Bourgeoise, affaire va jamais finir sur toi, c'est toi qui sais. Moi, là, il est monté là. Vraiment. Je vais m'emballer, toi.
Il t'a loupé d'abord. Tu le connais. Moi, ma bouche là. Yes, Seigneur. T'as porté le live là, s'il vous plaît. Ma bouche là, moi, je sais que c'est ça qui a mis la même. Il faut que je la trouve même quelque part. Le soir sur le live de Waka, je vais la taguer. Franchement, celle qui a mis les gens dans ce live. Non, c'est elle qui t'a mise dans ça, moi. Celle qui a parlé de ses narines nationales. Est-ce que moi, j'ai parlé? Moi, je n'ai que relayé ce qu'elle a dit. Arrêtez, elle a dit, vous savez, dans les groupes, il y en a d'autres. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, mais je n'ai jamais remarqué ça. C'est elle qui a remarqué ça et puis elle a dit ça. Et puis j'ai dit, ah, mais maman couronne, pourquoi toi, tu as dans tout ce qu'on a vu là? Toi, non, c'est moi, ça la sortie. Moi, j'ai une doléance à demander à la bourgeoisie. Aujourd'hui, là, c'est bon, faut nous faire plaisir. Faut te mettre en caméra, la bourgeoise. On veut te voir. La bourgeoise. Et dit, je suis dans la cuisine. Une forme d'attachement. Non, ça, faut pas y aller, maman. Je suis dans la cuisine. Non, je suis dans la cuisine. Quand je suis seule à la maison, là, moi, je m'habille pas. Non, mais c'est ça qui est bon, même. Pourquoi aller les caméras là? Tu peux porter un boubou rapide. Là, vous êtes terrible. Faut te mettre en caméra, on te voit aujourd'hui, là. Moi, je suis trop mise en caméra. Bibina me connaît. Bibina. Tu me connais. Il y en a beaucoup qui m'ont vu ici. Même ton caméra, je suis à la bourgeoise, on te voit. Donc, apprêtez-vous, les produits de Bobaraba vont circuler. Qui veut monter là? Eh, Seigneur. Ah ouais? Mmh. Oh, regarde ça c'est un trans. Mais Dano. Oui. Ok. Le sport là, quand vous faites les squats, pourquoi ça ne développe pas le troisième pied? Parce que c'est un muscle aussi qui s'atrophie et se dystrophie. Non, le troisième pied, là, le troisième pied, ça, c'est dès l'enfance. Nous, les gens de l'Ouest, là, et les gens du Nord, on a été massés quand on était petits, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mmh. Yeah. Nous, les Akans aussi, nous, on massé. Oui, les Akans également. Ah, les Akans massés. Mais les gens, les bourreaux comme Bibi, là, eux-mêmes, là, je ne sais pas si... Non, pourquoi, là, c'est inné? Non, chez les gourous, là, franchement, là, c'est-à-dire que c'est la culture du sexe. Ça, c'est chez les gourous. Franchement. Et puis chez les guéris également. Chez les guéris, il ne faut pas déjà faire les filles avant de commencer. Non, mais après, allez-moi pour plaire. Ouf. Non, mais Sylvie est là. Oh, Livy. Non, Livy. Non, mais... Elle fait quoi? Elle n'a pas fait quoi? Adam, on peut faire ça. Ok, il est quelque part. Toi, le petit stress de 16 ans, là, non? Quand tu vois un genre, là, tu ne peux pas te dire, ça, c'est couché ici. Je suis sous le drap, je ne me sens pas bien. S'il te plaît, je suis un peu gênée. Jusqu'à ce point-là. Oh là là, en tout cas, ma personne personnelle, je suis son manager. Voilà. Pas que toi, tu es ma nac. Non, pas que tu es ma nac, non. Dan, comment tu vas, Dan? Dan, tu sais que ta femme a de la chance. Oui, ça va très bien. Dan, tu sais, ta femme a de la chance. En plus d'être un homme maigre, physiquement, niveau intellectuel, c'est bloqué. Vraiment, tout ce que... je descends. Je reviens. Oui, on m'appelle, je reviens. La bourgeoise n'est pas mise en caméra, là. Hé, mon père! On va le faire tout à l'heure. Bourgeoise, on va se faire. Elle va se mettre en caméra. Dans ma peau, on va te... Non, comme tu es couché, c'était pour te montrer que je suis couché également depuis... Ok, d'accord. J'ai une petite pause. Ouais, c'était pour saluer le cowboy. Le cowboy. J'ai pour saluer le cowboy là. Donc, vous savez, hein, vous les gars de New York là, vous avez un problème. Nous les gens du sud là, on n'est pas des cowboys.
On oui, vous êtes des cowboys. C'est des cowboys. Oui, non. Des hi-hah. Toi, tu es du même state que Beyoncé. C'est le state des cowboys, des country hey, boys. Tu m'as donné l'envie d'écouter un peu Beyoncé. Oh là là, nous, on n'est pas des cowboys. Nous sommes des citadins. C'est vrai qu'il y a des agglomérations, il y a beaucoup de zones rurales, mais n'empêche que... Voilà, ben, toi, tu es où? Toi, tu es dans quelle ville? Je suis à Houston. Dans quel état? Je suis à Houston. Je suis Texan. Mais dedans, je vois un truc là. L'ouragan. Le jeune qui est décédé, c'est où ça? Chicago, non? Chicago. Ça me donne l'envie de mettre une chanson de, le chanteur, là. De Houston. Oh, yeah. Pour faire plaisir, pour Chicago, faire plaisir à Dan. Là-bas, c'est la jungle. Attends, oui, c'est jungle. Sa chanson, là, c'est intéressant, mais quand tu écoutes les paroles, là, quand tu lis les paroles, c'est pas bien. Attends, Dan, je te dédie cette chanson-là, hein, pour toi, okay. Dan. Voilà, voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu fais toi? Comme tu as couché là, donc tu fais un beau réveil. Nous sommes couchés. Ok. C'était pour toi, Dani. Oh, merci. Merci. J'aime pas toi, tout ça. Oui, Sweet Dream de Queen Bee. Queen Bee. Voilà, elle. Moi, c'est Houston, Texas, baby. Oui, moi, pour moi, elle, c'est le summum de tout. En fait, je sais pas quoi, c'est l'excellence. Il faut le dire à l'ivoiricaine. Parce oui. Que j'ai vu là-bas, ils n'ont que des artistes. T'as pas besoin de me dire, hein, Beyoncé, c'est la queen. Ben voilà. C'est une légende. C'est une icône. Texas, baby. J'ai eu l'occasion de la voir et d'être sur la même table avec elle, Jay-Z. Attention. Ben oui, moi j'ai des photos avec elle. Ah bon? Oui. Ben, Dan, j'ai même pas pu prendre photo, tellement que je voulais être humble. Tellement je voulais faire genre, je suis star, je vais pas fatiguer les stars. Je regrette. Dan, après tu m'envoies. D'accord, pas de souci. Queen Bee, c'est l'emblème de Houston, Texas. C'est notre trésor. Waouh, franchement. Ah, c'est la Drogba des États-Unis, hein, chez les Afro-Américains. Tu la touches, tu tombes. Sur les réseaux, tu la vois pas dans les clashs entre artistes. Elle répond pas aux gens. Beyoncé, tu la verras jamais clasher quelqu'un. Tu la verras jamais dans les. Où tu vas l'attraper en train de faire verrer, en train de. On la voit jamais. Non, elle est trop disciplinée, cette femme-là. Elle est vraiment un mental d'acier. Franchement, ce sont des artistes comme ça dont on a besoin en Côte d'Ivoire. Vous voyez des personnes qui sortent de cette étiquette de star-là pour devenir des légendes. C'est très important. Elle bosse, elle passe 4 à 5 heures par jour en train de danser sur des talons et chanter en même temps. Toujours en train de faire le cardio, garder la ligne. Avec tout ce qui va avec la diététique. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour Abigail. Bonjour Abigail. Bonjour Abigail. Oui, bonjour Abigail. C'est quoi tout ça? Seigneur, excusez-moi. Il y a eu un retour ici, comme j'ai mon deuxième téléphone là. Je vais jouer un son pour Fabira là. Voilà. Ok. Regarde le set, hein, parce que Dan et l'Ivoiricaine sont venus. Actuellement, là, mon seul combat, là, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, tu nous as assez attachés. Tu peux mettre ta caméra maintenant. Bon, là, monsieur. Là, c'est hein? Descendu, là. Qui est descendu? La bourgeoisie. Elle ne peut pas nous faire ça. Elle peut tout nous faire sauf ça. Dan, tu as une très belle voix. Oh, thank you. Oh, that's my song. Let us die young, or let us live forever. Don't have the power, but we never. Sitting on a sandpit, life is a short trip. Music, oh, Jesus, the sun's sad man.
C'est là qu'elle a chanté Hello. Hey, les gens sont en train de m'attacher dans les commentaires. Hey, attention, hein. Les gens disent quoi? Attention, hein. Ils disent laisse la chanson. Hey, je sais chanter. Hein. Ne vous, ne vous, grand chanteur, hein, ne vous laissez pas. Il chante bien. Il sait tout faire. Lui que vous voyez là. Je me mute. Lui me dit il sait tout faire. Je me mute, c'est mieux pour moi. Il sait tout faire. Il sait faire quoi encore? Il muté, c'est mieux. Dites-moi, Dan. Il paraît que il y a une église en son nom. Beyoncé aux États-Unis là-bas. Il y a, bon, après, ce sont des groupies. Hein. Chacun fait un peu. Vous pensez que c'est non, bien sûr. C'est comme, vous voyez les fans de Eka, non? Mm-hmm. Imaginez son zéro. Mais est-ce que Eka même a des fans? Beyoncé, c'est Beyoncé. Jean, non, pardon, Dan, il ne faut pas en partir trop loin, eux. On va glisser tout de suite. Non, je veux juste donner l'exemple. Les Beehive, là, ce sont des. Waouh! Non, tu ne peux pas. Tu peux pas attaquer Beyoncé comme ça, t'en sortir. Non, tu ne peux pas. Non, comment? C'est Rihanna qui a été intelligente. Yeah. Ah, mais si elle faisait boire, tu fais bien, ils allaient casser sa carrière. C'est l'autre là qui n'a pas été trop intelligente. Kerry Hilson. Elle a fait blue bras de fer. Elle se laissait tomber du 19e étage. Et puis bon, voilà. Après, moi, je pense que Sasha Fierce, c'est. Moi, je crois un peu aux histoires de démoniaques et tout ça, mais ça ne peut pas enlever au fait que Beyoncé est une bosseuse, en fait. Effectivement, ça, c'est moi, ça veut dire. Une grande bosseuse. Elle aime les ventilos. Elle aime les ventilateurs quand elle danse. Moi-même, dans le domaine de la musique, je sais reconnaître vraiment le talent de Beyoncé. Pour moi, quand je la regarde, quand j'entends que, oui, effectivement, elle fait des pratiques, bon. Ça, comme tu l'as dit, je peux pas mettre ça à côté. Parce que c'est vrai. Pour moi, c'est. Non, en fait, c'est pas ça. Moi-même, je parle même pas de ça, mais je parle de ces spectacles. Pour moi, ça sort de l'ordinaire, quoi. Franchement, c'est. Ça, les artistes, là, plein abandonnés, même Rihanna ne chante plus.
Yeah. Oui, parce qu'elle est, voilà. Est concentrée sur un business. C'est la seule qui chante actuellement, même si les autres font des efforts, mais vraiment, c'est la seule qui est restée. Hein. Non, mais en matière vocale aussi, il faut reconnaître que Beyoncé a de l'avance. Oui. Elle a des riffs, des runs, like, impeccable. Et puis c'est une danseuse, elle a une texture. Moi, j'ai du respect pour elle parce que elle ne perd pas le souffle. C'est-à-dire qu'elle est en train de danser sur des talons pendant tout le concert. Et ses musiciennes, ce sont des femmes. Elle n'a que des femmes dans son band, en fait. Et c'est vrai qu'on va dire que son mari est derrière elle, mais il faut savoir que l'organisation de Beyoncé, c'est Beyoncé qui gère. Son mari ne. Son mari est derrière elle. Non, mais sa mère, à un moment, est dans son organisation. Sa mère travaille pour elle. Non, en fait, avec sa costume, tout ça, c'est tout. C'est l'imagination de Beyoncé qui est tout en fait, non, Dani, je voulais revenir sur ce que Pacifia a dit là, par rapport à la danse. Et elle, les gens, elle est un peu trop structurée et tout. Donc, peut-être que Pacifia, si tu vois les enfants là danser ici, là, les enfants, parce que c'est ce qu'ils font, ils sont toujours à la maison, ils regardent que la télé pour copier les clips. Tu vois, ils copient les chorégraphies, ils copient. Tu sais, quand tu fais quelque chose tout le temps, tu deviens très fort dedans. Yeah. Et quand toi, tu dis que tu vas être le meilleur, tu t'es déterminé à être le meilleur dans la pratique que tu as choisie, il n'y a pas quelqu'un qui a été dépassé. Non. Et elle. Et ça ne l'a pas quitté, en fait. Elle l'a toujours voulu. Vous savez, les stars, lorsque qu'elles commencent à évoluer, elles veulent trop faire genre, en fait. Elles veulent. Bah, vous voyez, elles engagent des danseurs, mais elles participent à la chorégraphie. Mais elle a toujours voulu participer à la chorégraphie. C'est-à-dire que même après la quarantaine, elle est toujours sur les talons, en train de danser, en train de faire des diets pour pouvoir garder la ligne, même après les accouchements et tout ça. Garder la voix et sa voix reste intacte. Et c'est ce que je respecte, la consistance de consistency, elle est constante, like, elle est très constante. Et ça, peu importe ce qu'on va dire d'elle, moi je lui voue ce respect là, parce que il y a des artistes, oui. Dès qu'ils commencent à vendre des milliers de disques, ils commencent à vouloir bouffer l'argent partout, aux Bahamas, ils perdent la ligne, ils ne prennent plus le temps pour écrire, yes. Pour chanter, tout ça. Ils veulent profiter maintenant, c'est-à-dire que pour eux, aussi, là, ça gâche la carrière. Hein. Moi, quand je vois Beyoncé, vous savez à quel artiste je peux faire référence en Côte d'Ivoire? C'est mon père, Mewé. Ce monsieur-là. C'est-à-dire, depuis combien d'années, le gars, il grappe toujours des textes?